Gloire à Dieu. Chaque jour qui passe, nous, Chantal et moi, nous apprécions les frères et sœurs, les églises, les personnes que nous rencontrons. On commence à découvrir un petit peu plus chaque jour. Miam Azot. Azot. Miam Azot. Hein? Voilà, aujourd'hui ça et demain peut-être un autre. Mais elle est belle la famille de Dieu. Et vraiment ce qui nous réunit, c'est le nom de Jésus. C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Amen. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Amen. Ah oui, il n'y a pas de plus grand trésor que de connaître Jésus et d'avoir reçu la vie d'en haut. Et c'est un défi de nous maintenir et d'aller de dimension en dimension, de progresser de plus en plus. Quand on voit l'œuvre que le Seigneur a fait pour nous, oui, c'est merveilleux. J'espère qu'il y en a, avec la grâce de Dieu, il y en a qui ont commencé à décoller hein, pour être dans les hauteurs et dire c'est fini. Hein, la vie aura des pâquerettes. Non, je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu dans les hauteurs et cela par la foi. Ouvrons la Bible dans Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. En Christ, nous sommes une nouvelle création et dans une position privilégiée de bien-aimés, enfants de Dieu, sanctifiés, justifiés. Oui, merci Seigneur, nés de Dieu avec l'image et créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme intérieur est parfait. Merci Seigneur. Quand un bébé naît, je regarde par là parce qu'il y avait un nouveau-né hier. Quand mes enfants sont arrivés, bien sûr, merci, quelle émotion, etc. Et une des premières choses que j'ai faites, moi en tant que papa, je regardais si tout y était. Est-ce qu'il y a les oreilles? Est-ce qu'il y a les doigts, le nez, tout? Il ne manque pas quelque chose? Effectivement, tout en miniature, tout y est. Jusqu'au petit doigt, hein, tout fin. Vous savez, c'est mignon. Tout est là. De la même manière, quand nous naissons de nouveau, quand il parle à la résurrection avec Jésus, nous sommes régénérés et tout est parfait. Nous avons en nous et dans cette association avec le Saint-Esprit qui vient en nous, en fait, tous les traits du Seigneur. Amen. La paix, amour, joie, et toute la douceur, les traits du caractère, l'image de Dieu, les attributs du Seigneur sont là. Gloire à Dieu. Quand j'ai enseigné cela à l'église, on était dans un temps de jeûne et prière, et il y a une sœur. C'est comme si ses yeux s'ouvraient. Ah, mais c'est merveilleux! Nous sommes vraiment saints, purs aux yeux de Dieu. Ah ben alors, il n'y a pas besoin de jeûner alors. Et je dis, oui, ça c'est la réalité spirituelle de ce que le Seigneur a fait. Mais maintenant, à nous, notre responsabilité, eh bien, de le montrer. Que Christ
se forment et croissent en nous et se manifestent. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité. On ne veut pas rester bébé, mais on veut manifester la vie de Dieu. On veut manifester Christ. On veut manifester cette puissance de vie. On veut manifester la puissance de Dieu dans notre vie, en sorte que, ah, qu'on brille et que les gens conçoivent une lettre ouverte pour les gens qui nous entourent. Oui, nous sommes sanctifiés, mais la Bible dit « recherchez la sanctification ». Oui, nous sommes lumière dans le Seigneur, mais maintenant le Seigneur dit « brillez, marchez comme des enfants de lumière ». Vous êtes justifiés, mais maintenant nous sommes appelés à marcher dans la justice. Vous qui avez été baptisés, Galates nous dit « vous avez revêtu Christ ». Christ, le Seigneur l'a fait, mais la Bible dit aussi « revêtez-vous de Christ ». Tout ce que Christ, tout ce que le Seigneur a fait, a révélé, maintenant, à nous, eh bien, de progresser, de vouloir grandir. Je disais hier que grandissent ceux qui veulent, ceux qui sont candidats, ceux qui cherchent. Contrairement à la vie naturelle, organique et naturelle des hommes, physique, on ne grandit pas spirituellement automatiquement. On ne peut grandir que si nous cherchons, nous désirons, et c'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire, progresser, croissez, grandissez. Et c'est toute la teneur, l'enseignement de nos épîtres, pour que nous devenions ce que nous sommes déjà en Christ. Pour que nous devenions dans la pratique, dans l'expérience, dans ce qui est visible, que nous manifestions et que nous devenions ce que nous sommes déjà en Christ, c'est ce que le Seigneur a fait. Et Dieu veut nous aider. Et le Saint-Esprit veut nous aider pour que, justement, nous y arrivions. Autrement dit, il faut que nous soyons transformés. Amen. Parfois, gloire à Dieu, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, bam, il est changé. Il y a des gens qui rencontrent le Seigneur, mais ça, peut-être pas à l'île de la Réunion, mais on se dit, mais il est vraiment chrétien, lui, ou pas? On se pose la question. Vous voyez, c'est pas toujours visible. Vous voyez, il faut que ceux qui rencontrent le Seigneur, le changement soit remarquable, notable, sans ambiguïté, et qu'au contraire, de plus en plus, il soit transformé à l'image du Seigneur. Ça améliore la qualité de vie. Amen. Moi, je sais qu'ici, il y a une belle qualité de vie. Hein? Le soleil. On m'a dit, il n'y a pas d'hiver. Et moi qui suis venu avec des pulls, oh là là, il y a toute une valise qui reste, hein, on n'y touche pas. Hein? C'est trompé. Quelle belle région, quelle belle île. Mais je sais, je suis allé au gouffre de l'étang salé. C'est un magnifique site avec les roches volcaniques, etc. Mais malheureusement, j'ai vu, on m'a expliqué, il y a des gens qui se jettent dedans. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se supprimaient. Pourquoi cela? Parce que malgré le soleil, malgré la plage, malgré ce contexte si agréable, il y a des souffrances, il y a des difficultés auxquelles on n'arrive pas à faire face. Et on préfère prendre cette solution. Eh bien, j'aimerais vous dire, et je sais que même parfois, parmi même le peuple de Dieu, il y en a qui sombrent, vraiment qui... frappés par les épreuves de la vie, dans le désespoir, etc. Nous, le peuple de Dieu, de la Pentecôte,
de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vie. Nous sommes appelés à être dans les hauteurs. On peut même montrer l'image en question. Être dans les hauteurs. Et quel que soit, quand nous prenons l'avion, il y a en bas tous les... Il peut y avoir l'orage, il peut y avoir le vent, etc. Nous sommes dans les hauteurs, dans la présence de Dieu. La vie abondante. Et même dans nos combats, eh bien, la vie est victorieuse. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge, traversé le désert, et j'espère que beaucoup quittent le désert, et traversent le Jourdain, acceptent leur mort, acceptent leur mort avec Jésus, tout ce qui est de la vie passée, tout ce qui est de la vie de la chair, eh bien, je l'identifie et je meurs avec Jésus et je ressuscite, c'est cela. Et j'entre dans le pays de la promesse, le pays de Canaan, Christ, la vie de Dieu, la vie victorieuse. Mais sachez que le peuple d'Israël, lorsqu'il traverse le Jourdain et qu'il est dans le pays de la promesse, la manne s'arrête. La manne, pendant 40 ans, dans le désert, tous les jours, la manne tombait. C'est merveilleux. Presque, ils avaient qu'à faire. Ah ! La manne était là. Il suffisait le matin aller chercher et manger, se nourrir. Mais quand ils arrivent dans le pays de la promesse, il fallait cultiver, semer, récolter, moudre, etc., et se faire à manger. Autrement dit, dans le pays de la promesse, lorsque on entre, on réalise notre position et ce que Christ a fait pour nous, on devient responsable. Responsable avec tout ce que Dieu met à notre disposition. Amen. Et ça glorifie le Seigneur. Que l'enfant de Dieu, celui qui croit, celui qui est faible, est limité par la foi dans le Seigneur. Et vous vous souvenez que quand tu mets ta confiance dans le Seigneur et dans sa parole, le Saint-Esprit agit. L'Esprit de vie, la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui me tire vers le bas. Mais lorsque je mets ma confiance, mais il faut demeurer dans la confiance, il faut demeurer dans la foi. Vous êtes d'accord que ce n'est pas en une fois « Ah, j'ai compris et c'est bon !» Pas du tout. C'est un processus dans lequel nous sommes appelés à aller de foi en foi, de grandir dans la foi, pour que nous puissions nous maintenir. Parce que la loi du péché et de la mort est toujours là, appliquée. Quand un avion décolle, il y a la puissance du moteur, du réacteur, il y a la poussée et qui fait que l'avion va décoller et que la loi de l'aérodynamique se met en mouvement et on décolle. Mais si, alors qu'on est en haut, la loi de la gravité est toujours là, si le moteur s'arrête, on tombe. Donc il nous faut nous maintenir dans la foi pour que le Saint-Esprit continue à agir et qu'on prenne de l'altitude. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'on respire l'air du ciel. Ah oui, j'étais un internel insatisfait. Ma femme, elle me supporte. Hein? Mais en ce temps, On a gagné cette année que tant de personnes. Mais réjouis-toi de tout ce que Dieu t'a donné. Ah, l'église, elle n'était pas complètement pleine. Oui, mais l'église est en progrès. Il reste encore des places vides. Mais réjouis-toi. Je ne sais pas si... Non, les pasteurs réunis, ils sont spirituels, pleins de foi. Mais moi, j'étais comme ça. Mais merci Seigneur. Quand on grandit dans un système méritoire, et c'était mon cas, je suis un Coréen, hein, je ne sais pas,
C'est comme ça, le système éducatif, etc. Tout par le travail, et puis il faut être bon, il faut être dans les bons, etc. On pousse à l'excellence. Et on est formaté comme ça. Ce qui fait que même si j'ai Jésus, même si je parle en langue, même si je manifeste les dons spirituels, ou ainsi de suite, il y a, par rapport à mes pensées, par rapport à comment on est éduqué, comment on est structuré, comment on a grandi, par rapport à notre arrière-plan, c'est ça qui est quand même mon repère. Et à cause de ça, je ne vis pas la joie. À cause de ça, je ne réagis pas comme il faut, selon Dieu. Vous me suivez? Parce que quand le Seigneur nous fait naître de nouveau et nous recrée, il n'y a que notre esprit qui est régénéré, pas notre âme. Dans notre âme, c'est notre personnalité, il y a tous nos souvenirs. C'est le siège de notre volonté, c'est là où il y a nos pensées, c'est là où il y a nos émotions, c'est là où il y a nos souvenirs, c'est là où il y a notre éducation, c'est là où il y a toutes ces choses. Et même si ma nature a changé, même si j'ai reçu une nouvelle nature et le Saint-Esprit est là, il y a, sans être quelqu'un qui pêche, ce qui m'a structuré dans mon âme, bien, ça vient en contradiction avec la culture du royaume, avec l'Esprit de Dieu. Ma culture d'origine vient en confrontation, il faut être le meilleur. C'est comme ça. Il y a une confrontation et je vis une contradiction et que je ne peux pas vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi il y a besoin d'être transformé dans mon intelligence. C'est pourquoi il y a besoin que l'Esprit de Dieu passe dans mon âme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens, je le crois, ils sont sincères, ils ont dit oui à Jésus, mais s'ils ne se laissent pas rééduquer, s'ils ne se laissent pas enseignés par la parole de Dieu, ils vont continuer à vivre selon ce qu'ils ont appris, selon leur acquis, selon leur culture, selon leur éducation, selon leurs critères, selon ce qu'ils ont vu à la maison. Alors que le Saint-Esprit veut nous rééduquer. Amen. Nous avons vu que c'est la foi qui nous permet de propulser. La foi vient d'où? La foi vient de la parole de Dieu. Hein, Romains 10, 17. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Dieu. Voilà le moyen que Dieu a mis à notre disposition pour justement grandir dans la foi. Mais pour cela, avant d'aller plus loin, eh bien, pour que maintenant nous entrions dans les choses pratiques, l'apôtre Paul dit, compte tenu, il fait l'exposé de tout son évangile, hein, jusqu'à, je ne vais pas faire le résumé, jusqu'à Romains 8, et puis 9, 10, 11, vous avez la destinée d'Israël, quelque chose de particulier, et Romains 12, il reprend le fil. Compte tenu de tout ça, tout ce que Christ a accompli pour nous, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a un appel à la consécration. Quand je parle de consécration, je ne parle pas forcément de la consécration à des activités, mais la consécration à Dieu. La consécration à la présence de Dieu. Nous sommes donnés au Seigneur, non pas à une religion, non pas une série de commandements, mais nous sommes donnés au Seigneur pour une relation. Amen. C'est une relation que nous vivons. Et si nous sommes morts par rapport à la loi de Moïse, désormais nous avons un autre époux, c'est Romains 7 au début de ce verset, nous sommes mariés à un autre époux, notre Jésus
par le Saint-Esprit qui est notre loi vivante et qui nous amène beaucoup plus loin même que la loi de Moïse. Amen. C'est une relation avec le Seigneur. Et cette relation se fait par la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu générale, une relation personnelle. Hier, j'ai été béni d'entendre une sœur venir me dire « J'ai entendu là pour la première fois que Dieu m'aime. Dites-moi. Dieu nous aime, on l'entend tous les jours, non? À toutes les prédications, à toutes les... On sait que Dieu est amour. Mais ça change notre vie quand on entend la voix de Dieu personnellement. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est là l'action du Saint-Esprit. Que dans notre intimité, tout part de l'intimité, tout part de la relation avec Dieu. Que dans notre intimité, dans notre tête-à-tête, que la parole de Dieu résonne, elle devienne vivante. C'est cette parole, et il nous faut nous consacrer à la présence de Dieu et permettre à Dieu de nous parler. Et cette parole va nous permettre de grandir. Amen. Permettre à l'Esprit de Dieu de souffler. C'est aussi cette parole. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu et le Seigneur se révèle et montre justement ce qui n'est pas de lui. La parole de Dieu, c'est le scalpel de Dieu pour nous opérer. Mais pour nous opérer, il nous faut accepter de nous mettre sur l'autel. D'accord? Et nous abandonner. Dire, Seigneur, je te fais confiance. Il y en a qui ont dû passer par des opérations. Vous êtes mis sur la table et vous n'avez pas dit, bon, attendez, je reviens. Attendez un peu, hein. Je reviens. Bon, allez-y, continuez. Non, attendez, pas comme ça. Non, ceux qui sont passés par l'opération, ils se livrent totalement. Ils sont dans les mains des chirurgiens. Dieu veut opérer en nous. Ce qui ronge, ce qui n'est pas de Dieu. Et bien souvent, nous ne savons pas ce qui fait obstacle. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est résistance, qui est... Bien sûr, parce que les péchés, tout ça, on s'est dépouillé du vieil homme. Mais il y a des choses, des réactions, des choses qui nous ont structurés, des choses, comment nous pensons. La Bible parle des forteresses de raisonnement. 2 Corinthiens 10 nous dit... Il y a comme des forteresses qui nous empêchent d'avancer, dans lesquelles nous sommes prisonniers. Un jour, il y avait un groupe de touristes qui visitaient un atelier d'un artiste, d'un sculpteur, et ils ont vu un grand bloc de marbre, et de ce gros bloc de marbre, une tête de lion sortir. Et les gens, ils ont été impressionnés. Waouh ! Comment de ce bloc de marbre, une telle tête peut sortir ? Comment vous faites ? Et l'artiste a répondu, il suffit d'enlever tout ce qui ne ressemble pas à une tête de lion. Mais en fait, le travail de Dieu pour former Christ en nous, le Seigneur est venu en nous, mais nous ne savons pas ce qu'on doit être enlevé ou pas. C'est à la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, qui vient enlever, ôter ce qui ne ressemble pas à Christ. Amen. C'est pour ça que plus tu connais Jésus, plus tu peux lui ressembler. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne le cherches pas, si tu ne creuses pas, tu pourras prier en langue, tu ne connaîtras pas le Seigneur.
Tu ne pourras pas lui ressembler. Tu as besoin que la parole de Dieu t'éclaire. Amen. C'est une forteresse. Que ce soit une parole personnelle. Ève a péché. Ève a commencé à désobéir. Mais vous vous souvenez que qui a entendu l'interdiction de toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est Adam, c'est pas Ève. Ève n'a fait qu'entendre par son mari. Peut-être que si elle avait entendu directement du Seigneur, peut-être les choses auraient été différentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une pensée là, que si nous ne recevons pas directement du Seigneur, eh bien on est plus vulnérable. Il nous faut chercher. La parole de Dieu, elle est suffisamment puissante. La sagesse de Dieu, Dieu est assez intelligent et grand pour parler à notre niveau. Vous êtes d'accord? Regardez, à Pierre, Jésus dit, tu seras pêcheur d'hommes. C'est facile à comprendre pour lui. Il est pêcheur de poissons. Au docteur de la loi, hein, le gars qui a le cerveau à 15 étages, il faut naître de nouveau. Ah! C'est autre chose, hein? Le Seigneur Dieu, il est grand. Il peut s'adapter à... Les enfants peuvent comprendre ce que je dis. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse. On est responsable. Ah, moi, je ne sais pas lire. Moi, je ne sais pas si... Je sais... Moi, j'ai connu dans mon parcours plusieurs personnes qui n'ont pas été à l'école, qui ne savaient pas lire, mais ils avaient un tel désir de... connaître Dieu et de pouvoir lire la Bible que Dieu leur a donné l'intelligence pour lire la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas un autre ouvrage que la parole de Dieu. Amen. Celui qui veut, celui qui cherche, Dieu donne les moyens par la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il y a la parole. Nous nous consacrons à Dieu par la parole et c'est une forteresse. 2 Corinthiens 10, 4 nous parle des forteresses de raisonnement. J'aimerais revenir à cette pensée que si nous voulons être transformés pour devenir ce que nous sommes déjà en Christ, eh bien nous devons laisser cette parole nous affranchir de ce qui nous emprisonne. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La suite, peut-être. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, ça nous empêche de connaître Dieu, connaître dans le sens expérimental. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui. Parfois, même si on est des chrétiens sincères, on peut être emprisonné dans notre préjugé, dans nos raisonnements, dans notre comment on a été structuré, comme je dis, comment on a été enseigné et formé, même par mimétisme. Tenez, si quelqu'un a grandi dans une famille où le père maltraite la femme, ou vice-versa, sans savoir, l'enfant qui grandit, il a ses repères. Et quand plus tard, il devient chrétien et il se marie et il a une épouse, sans savoir, sans le vouloir, il aura ses tendances, il aura ses repères. Il ne se rend même pas compte. Il est dans cette forteresse. À moins que par la parole de Dieu, la prédication ou la lecture personnelle, que Dieu s'adresse à lui et lui révèle que la lumière se fasse. Il dit, ah, c'est pas la manière de faire d'un enfant de lumière, d'un saint, d'un enfant de Dieu qui est amour, doux et patient. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui va éclairer. Soyez renouvelés de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Vous connaissez tous l'histoire de, de l'oiseau qui est attaché à, à un poteau avec un long fil, et puis qui tourne, voilà, il n'a que cet espace-là. Et puis un jour, quelqu'un le libère. Hein, donc il s'en va, et puis il revient. Il revient, il tourne, il continue à tourner autour du poteau. Pourtant, il est libre. Mais il revient parce qu'il était habitué, c'était ça son domaine, c'était ça sa sphère d'évolution, de vie. Et le chrétien libéré, le chrétien, on va dire pardonné, sauvé, il fait la même chose. Pourquoi ? Parce que dans son âme, l'âme c'est comme un disque, c'est comme un logiciel, c'est comme un DVD. C'est ça qui tourne tout le temps. Il y a besoin de reformater les choses. Il y a besoin d'être réenseigné. Et je vous dis, dans tous les domaines, dans les mariages, et je peux vous dire que nous, moi étant coréen, ma femme métropolitaine, différence de culture, ce n'est pas une question de péché, qui a raison, qui a tort. D'accord ? Est-ce que c'est mal ou c'est désobéir à Dieu ? On peut avoir raison, même humainement parlant. Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu en pense ? Quelqu'un a l'habitude de rentrer à la maison, il met les chaussures où il veut, les chaussettes. Quoique ici, on ne met pas de chaussettes, hein ? On a des tongs. Un coin ici, tout. C'est ses habitudes, c'est comme ça qu'il a grandi peut-être. Mais on peut être dans une culture familiale tout à fait autre, bien ordonnée, bien, etc. Nous en Corée, hein, si on mange et puis qu'on met la table, on met la main sur la table, c'est pas poli. Hein. En France, oui. En Corée, là, quand on rote, hein, j'ai bien mangé. Ça veut dire ça. La première chose qu'on m'a dit quand j'ai atterri en France, on m'a dit surtout rote pas, hein. C'est mal poli. Je donne quelques exemples. Mais il faut que la parole de Dieu vienne, hein, et nous dise, mais quoi faire avec ça ? Quelle est la bonne attitude ? Et l'Esprit de Dieu nous aide à avoir la sagesse du Seigneur et à agir de la même manière. On peut être chrétien, gloire à Dieu, on chante, on glorifie. Être spirituel, ce n'est pas une question même de décibels, de crier et prier fort. Ce n'est pas ça l'onction. Mais on peut faire comme ça et à la maison ou dans sa vie personnelle, on ne sait pas gérer son argent. On va toujours demander des prêts à droite, à gauche, aidez-moi, etc. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Et si en lisant la parole de Dieu, hein, il te dit, ah, mais c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, ah, que ça lui parle. Hein, parce que Dieu peut parler par toutes sortes de passages. Ah, il peut se dire, ah ben non. Ou David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain, etc. Toujours il prête. Et, ah, mais alors si je suis le juste, je ne devrais pas vivre comme ça. Et puis, il prend conscience de ça et il se met à travailler pour pouvoir bénir. Sinon, c'est comme quelqu'un qui tourne autour. Même s'il est enfant de Dieu, autour du poteau, c'est comme quelqu'un qui est dans sa forteresse. Et il n'en s'en sort pas. Sa vie en est impactée, son attitude est conditionnée parce qu'il y a comme logiciel et comme éducation, comme culture, comme raisonnement en lui, dans son âme. Et il faut que l'Esprit de Dieu puisse passer dans l'âme. Mais comment ? Par la parole et l'Esprit qui l'accompagne pour le libérer. Et c'est la parole, c'est quoi les armes efficaces, spirituelles, pour renverser les forteresses ?
C'est la parole de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, Israël, lorsqu'il a attaqué, ils sont entrés dans la conquête de Canaan, les premiers ennemis, c'était quoi? Jéricho. C'était une forteresse. Stratégiquement parlant, s'ils ne passaient pas par Jéricho, ils ne pouvaient pas conquérir le pays de la promesse. Donc, Jéricho était une étape incontournable. Ça commence par là. Et ça nous parle de cette forteresse. Vous pouvez faire le lien avec 2 Corinthiens 10, 4, 5. C'est cette forteresse qui emprisonne les chrétiens et qui n'évolue pas, qui font toujours les mêmes erreurs, les mêmes, peut-être, mésententes, les mêmes comportements, le même désordre, les mêmes préjugés, etc. Il faut que ça soit renversé. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent... Ah, moi, je n'ai pas de chance. Ma famille, elle était pauvre. Je n'ai pas été aimé. Je n'ai pas été appuyé. Je n'ai pas eu de soutien. Personne ne s'est occupé de moi. Et il peut avoir dans ses pensées cette idée-là. C'est une forteresse. Ah, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Ah, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas ci, je n'ai pas là. Dans notre incrédulité. Naturellement, je vous ai dit que ce n'est pas automatique, hein, parce que tu as reçu Jésus. Ah, tu viens à l'église, tu goûtes aux quelques gouttes du ciel. Quand on est dans l'église, gloire à Dieu. Mais quand tu es confronté aux difficultés, aux défis de la vie, tout de suite, tout ce que tu étais avant revient. Ça, c'est la vie de la chair. Et le Seigneur, par l'Esprit de Dieu et par sa parole, veut renverser ça. Et la parole de Dieu dit quoi? Que nous sommes désormais... riche en lui. Amen. Que nous sommes capables, que nous sommes héritiers de Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors on peut se redresser. C'est pas vrai que je suis maudit, je suis béni. C'est pas vrai que je suis faible. Non, le Seigneur est avec moi. C'est pas vrai que je suis seul. Il est toujours, je ne suis pas abandonné. C'est pas vrai. Et le Seigneur est avec moi tous les jours de ma vie. Ce n'est pas vrai que je suis seul. Vous voyez? Si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il y a la mort, il reste là seul. Mais s'il meurt, il peut porter du fruit. Mais il faut le croire. Il faut que ça devienne une révélation, parce que tout ce que nous disons pendant toute cette semaine ne resterait qu'une théorie. S'il n'y a pas cet esprit de révélation qui vient planter ces choses en nous et qui germe, qui fait germer, qui fait grandir la parole de Dieu, le passé. Mangeons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, ruminons la parole de Dieu, récitons la parole de Dieu, retenons la parole de Dieu. J'aimerais bien que Dieu me donne une bonne mémoire pour retenir la parole de Dieu. Hein, je suis sûr que c'est le désir de tous les serviteurs de Dieu. Ah, mais cette mémoire, ça ne vient pas comme on veut. Mais c'est pourquoi il nous faut nous revenir. Oui, il nous faut une mentalité d'hommes et de femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, de princes. Dans Exode 19, Dieu dit à Moïse, vous serez un royaume de sacrificateurs. Voilà, je veux que vous soyez un peuple mis à part. Je vous ai fait sortir. Gardez mon alliance. Si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu voulait se servir de son peuple pour refléter sa gloire, un pays obéissant et qui reflète tout ce que Dieu est. Ça n'a pas bien marché avec Israël. Ça n'a pas bien marché. L'ancienne alliance. Mais voici, nous sommes dans la meilleure alliance. Et c'est pourquoi Pierre le dit dans son épître, que nous sommes désormais en Jésus-Christ, une nation sainte, un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Des sacrificateurs pour Dieu. On est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis.
Amen. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a arraché des ténèbres, qui nous a amenés dans son admirable lumière. Gloire à Dieu. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, par la parole et l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il nous donne la capacité. Oh, si nous pouvions simplement comprendre, Seigneur, donne-moi de comprendre et donne-moi de saisir la grandeur de ta puissance, l'infinie grandeur de ta puissance qui agit en nous. Amen. Tu l'as déployé en Christ, en le ressuscitant et en le faisant asseoir à la droite de Dieu. Mais c'est cette même puissance qui agit en nous. Gloire à Dieu. La parole. Il y a des gens qui disent, quand je vois les gens venir à l'église, venir à Christ, oh oui, ils sont sauvés, ils goûtent à l'amour de Dieu, mais il y a tout un passé, lourd et difficile. Il y a des personnes, je dirais, qui franchissent la mer et le Jourdain en une fois. Boum! Ils ont déjà... Ils vivent, même si là, vous comprenez que là, moi, j'ai décortiqué parce que j'en faisais pas partie de cela, justement. Moi, j'étais dans le désert et je ramais, je transpirais. Je dis, mais c'est dur. Et je gémissais, comme le peuple d'Israël. Je tournais en rond. Et j'enviais des hommes de Dieu dans la foi qui vivaient la vie authentique, de satisfaction, de plénitude. C'est comme ceux qui ont traversé la mer Rouge et le Jourdain en une fois. Mais ils sont rares. Parmi le peuple d'Israël, vous vous souvenez, ceux qui n'ont pas râlé, ceux qui n'ont pas douté, il y en avait deux. Josué, Caleb. Mais tout le reste, ils sont morts dans le désert. Mais... une fois que nous traversons, alors que nous crions à Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous donner de vivre cette vie de plénitude. Nous, nous sommes des gens de cette nouvelle génération. En venant au Seigneur, oui, nous traînons tout un bagage, un héritage dans nos âmes, dans nos souvenirs, dans nos émotions. Je pense à une personne qui aime vraiment le Seigneur. Au Noël dernier, elle était seule. Et dans l'église, plein de frères et sœurs ont dit, et moi j'avais encouragé, comme on a... plein de gens qui sont seuls, et bien que les familles reçoivent, on a des étudiants, tout ça, qui sont seuls, alors on ouvre nos maisons pour pas qu'ils passent Noël tout seuls, etc. Et il y avait une sœur qui a rencontré le Seigneur chez nous et qui a reçu plein d'invitations, mais elle n'est pas allée. Elle n'est pas allée parce que, en fait, elle a passé Noël, tout ça, tout seul. Mais lors d'un jeûne et prière, elle a réalisé que, en fait, pourquoi elle s'est comportée comme ça, le Seigneur a fait lumière dans sa vie. C'est que sa mère, il y a des blessures profondes, il y a des paroles de mort. Sa mère lui a dit, comme c'était un enfant non désiré, tu as pourri ma vie. Et c'était une parole de mort qui était plantée dans son âme et qui jouait tout le temps. Et inconsciemment, elle se disait, si je vais quelque part, je vais gâcher la fête. Je vais être un poids. Je vais embêter les gens. Mais en fait, tout seul, elle était prisonnière dans sa forteresse. Merci Seigneur à la parole de Dieu qui a fait lumière. Qui pouvait savoir son passé comme ça? Dieu le savait. Dieu a parlé. Et la forteresse a été renversée. Elle a été renouvelée dans son intelligence. Et ça l'a amenée à être changée, à changer son attitude vis-à-vis
des autres. La mentalité. Il nous faut la mentalité du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Vous savez, si sur cette terre il n'y avait pas le péché et les traces du péché, ça serait le ciel sur terre. Mais nous pouvons vivre le ciel sur terre, dans une certaine dimension, avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle le royaume de Dieu. Amen. La foi, nous nous consacrons à Dieu par la parole de Dieu. Nous nous consacrons à Dieu par la prière. Vous êtes d'accord? On veut être... Il n'y a pas de réveil sans prière. Et je serais méfiant d'un réveil où les gens ne prient pas, ne se repentent pas et ne cherchent pas Dieu. La prière. Il nous faut nous ouvrir à l'Esprit. Tout à l'heure, je disais qu'il faut que dans notre âme, l'Esprit de Dieu coule et vienne déverser. Comment ? Lorsque nous nous ouvrons à l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous plaçons devant Lui et que nous disons au Saint-Esprit et que nous de venir inonder nos âmes et que nous nous édifions par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va rendre vivant la parole de Dieu. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Amen. Quelle est notre vie de prière? Développons notre relation par le Saint-Esprit. Cherchons à le connaître, creuser. Et même si des fois vous avez l'impression d'avoir prié et que rien ne s'est passé, si il s'est passé des choses dans l'invisible, parce que c'est ce que le Seigneur nous a ordonné de faire, de prier et de prier sans cesse. Amen. Je bénis Dieu lorsque nous nous consacrons à sa présence. Et je fais juste une petite parenthèse. La croix du calvaire, ce n'est pas loin. Nous portons notre croix. Nous renonçons à nous-mêmes. Parce que, oui, l'ancien moi, pourtant crucifié, il est là. Hein, à travers la chair, nous rappelle. Et sans cesse, nous devons laisser la mort agir et vivre la vie du ressuscité. Quand on se consacre à Dieu, qu'on cherche Dieu, je vois qu'il y a des guérisons, il y a intérieur, je parle du miracle qui s'accomplit en nous. Parce qu'il y a des miracles extérieurs, mais il y a des miracles intérieurs. Ils sont importants, tout aussi importants l'un et l'autre. Parfois, dans nos églises, il y a des personnes qui sont complexées parce que justement, ils ne vivent pas la vie victorieuse. Parce que justement, ils se comparent et ils sont comme frustrés. Moi, j'avais une personne comme ça dans l'église, ça faisait 40 ans qu'elle fumait. Elle était malheureuse. Et combien de fois son médecin lui a dit « Vous allez mourir ?» Combien de fois elle a été amenée aux urgences, en soins intensifs, à cause de la cigarette? Mais à un moment donné, et puis en plus elle était rebelle, parce que quand j'essayais de l'exhorter, que je lui disais que je m'inquiétais pour elle, pour son âme, etc., elle n'était pas contente. Mais il n'y a pas si longtemps que cela. Le Saint-Esprit, Dieu est patient, Dieu est bon, il persévère avec nous. Et le Seigneur a fini par la toucher. Et je me souviens le jour où elle s'est approchée humiliant, le Seigneur l'a délivrée, vraiment le Seigneur l'a changée, elle a été libérée de ce tabac. C'est incroyable, incroyable. Mais ce que je ne savais pas, souvent, lorsque notre volonté, c'est des signes que notre volonté n'est pas remise à Dieu. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des choses, parfois. Elle était sous antidépresseur depuis 30 ans.
Donc tous ces combats, ces luttes, ces problèmes familiaux, etc., elle essayait de lutter par ses propres forces, et puis elle ne dormait pas la nuit, elle avait besoin de cacher, etc. Ça fait un peu plus d'un mois, le Seigneur l'a délivrée, le Seigneur l'a guérie. Le docteur a dit, surtout ne faites pas ça. Si on en a pris pendant 30 ans, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais le Seigneur l'a délivrée. Moi, je compte les jours. Je vous fais les prémices parce que je ne l'ai pas encore annoncé à l'Église, parce que j'attends que les témoignages soient sûrs et certains. Mais merci Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vois les miracles que Dieu opère. Amen. À un temps de jeûne et prière, je vois une jeune sœur, elle a été arrachée de sa mère quand elle était enfant. Elle a toujours cru qu'elle avait été abandonnée par sa mère. Elle a grandi avec la haine, la rancune. Et quand la mère l'a récupérée, la relation mère et fille et la belle famille, puisqu'elle s'était remariée, était vraiment conflictuelle. La mère, elle ne savait pas quoi faire. Beaucoup de choses qu'elle avait cumulées, mais il y a la croix du calvaire. Le message de Jésus qui fait qu'en Christ, on devient une nouvelle création. Et si on le croit, on l'accepte, oh oui, quel miracle! Combien ce Jésus qui est venu pour guérir les cœurs brisés, il restaure les âmes. Dieu l'a béni, le Seigneur l'a aidé dans ses études, elle sert dans le Seigneur, elle est responsable. Et dernièrement, dans un temps de jeûne et prière, comme elle était très sportive aussi, elle a eu une entorse avec arrachement des ligaments. Elle est venue avec des béquilles, avec des attelles, avec une attelle. Elle est venue au jeûne et prière. C'est vrai que régulièrement, nous mettons en jeûne et prière, l'Église, pendant 3 jours complets. On fait du 10h à 18h. Et la sœur, au deuxième jour, elle était là. Elle est rentrée chez elle. Pourtant, ça faisait 8 heures qu'on avait passé à l'Église, chanter, enseigner, témoignage, etc., louer le Seigneur. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est replacée devant Dieu pour que la parole de Dieu continue d'agir. Elle s'est placée devant Dieu encore pour prier, avec son entorse comme ça, avec l'arrachement des ligaments. Alors qu'elle était là, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit l'a visitée. Quelque chose a brûlé sa cheville. Elle s'est dit, mais Dieu a agi, elle hésitait. Elle téléphone à un frère collaborateur, pasteur. « Ah, je crois que Dieu m'a fait quelque chose. » Et Jade dit, « Mais oui, le Seigneur t'a guéri. Ce que tu me dis, c'est que le Seigneur est intervenu. » Elle a pris confiance et elle est venue le lendemain, sans béquille, sans attelle. Elle était guérie. Waouh! Merci Seigneur. Juste avant de venir, on avait une sœur qui avait un implant qui s'est infecté et on ne savait pas ce qui se passait, mais ça a créé un canal d'infection jusqu'au cerveau. Et elle avait une espèce de poche de pu sur le cerveau. On pouvait toucher comme ça, c'était tout mou. Mais elle ne savait pas. Elle fait scanner, elle fait plein d'examens. Les médecins ne trouvaient pas. Et au final, on a trouvé que c'était une infection comme ça. Elle avait tellement mal qu'elle s'est cassée la figure en sortant du culte, dans les poubelles. Et c'est un frère qui l'a... Il l'a relevé et il était question, on disait, il faut prier pour notre sœur. Voilà, elle a des problèmes, on ne sait pas trop ce qu'elle a et elle va être hospitalisée. On a prié. Il y a une sœur qui a eu compassion alors qu'on avait prié. Elle l'a rappelé et au téléphone, « Oh Emma, je voudrais prier avec toi. » Et elles ont prié ensemble. Pendant qu'ils priaient le Seigneur Jésus, la douleur est partie instantanément. Plus rien. Et le soir, on avait réunion, je la vois au milieu, alors qu'elle devait être à l'hôpital. Je dis, ma, tu es là? Comment ça se fait? Le Seigneur m'a guéri instantanément. Je crois que lorsque nous annonçons la parole de la croix et la puissance de Dieu et le Saint-Esprit qui agit, oui, il accomplit des miracles. Les vies sont changées et les gens voit la vie de qualité supérieure.
Je me rappelle d'une adote qui, à cause d'un contexte familial difficile, qui a passé une semaine dans la famille d'un autre chrétien. Voilà, juste comme ça. Une famille chrétienne qui l'a accueilli pour passer une semaine. Ils n'ont rien fait de particulier. Juste des choses normales. Venir à l'église et puis le travail. Mais ces deux adotes, adotes et garçons, frères et sœurs, ils m'ont dit, c'est les meilleures vacances que nous avons passées de toute notre vie. Être dans une famille chrétienne où il y a l'amour, où il y a la paix, où il y a l'entente, l'harmonie, tout simplement. Oh, combien nous pouvons briller si nous développons cette communion avec la personne du Saint-Esprit qui est là, de cette intimité. Et si nous marchons avec lui jour après jour, que nous ne traitons pas le Saint-Esprit comme un objet, comme simplement une puissance impersonnelle, mais qu'il est bien là et qu'il est sensible, il peut être attristé, il peut se réjouir, il nous parle. Tenez, juste avant de venir, il y a quelqu'un qui venait pour la première fois chez nous. D'ailleurs, c'était une réunionnaise, c'est marrant. Juste le dernier dimanche, avant de venir, un dimanche matin, elle se lève, elle entend comme une voix qui lui dit « Maintenant, il faut que tu ailles à l'église. »« Ouais, mais je suis malade, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de chauffeur. » Descend de l'immeuble. Elle descend, elle voit un monsieur. Donc, il dit, c'est comme Philippe, hein, qui s'en va vers l'eunuque éthiopien. « Monsieur, vous êtes chrétien ?»« Oui, je suis chrétien. »« Vous allez au culte, vous pouvez m'emmener ?»« Ben, bien sûr, je peux vous amener. » Il nous a amenés. Et cette femme qui avait vu une ou deux messages de chez nous, elle s'était dit dans son cœur, « Ah, mais j'aimerais bien aller dans cette église. » Et il se trouve que c'est un frère de notre église. C'est le Saint-Esprit qui connaît nos désirs, qui connaît nos soifs, qui attire les âmes. Si nous marchons par l'Esprit et que nous vivons la vie de Dieu, cette vie abondante, cette vie victorieuse, cette vie d'adorateur, cette vie dans les hauteurs, vous savez ce qui va en découler de cette intimité? L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes les choses qui ressemblent au Seigneur Jésus, ça va grandir en nous. C'est ça le fruit. Et le fruit, et depuis que je suis ici, j'en mange. Hein? C'est fait pour être consommé. C'est attirant. Vous êtes d'accord? Ça nous attire. Ah, ces fruits, ça a l'air appétissant, ça a l'air sucré. Ça attire. L'Église, plein de fruits, plein de papayes, plein de goyaves, plein de fruits de la passion, tous les bons fruits et les gens autour. Je dis, ah, je veux aller consommer, je veux, à notre présence, au contact des enfants de Dieu. Ils veulent goûter, ils sont bénis. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, marchant avec Dieu, nous manifestions ces fruits. Jésus lui-même, il est le consommateur de la foi. Il s'approche de nous pour consommer, il veut. Gloire à Dieu. Un peuple qui loue, un peuple qui chante, un peuple qui est dans la joie, un peuple qui glorifie Dieu, un peuple de lumière. Un peuple qui reflète l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la foi dans un monde si troublé. Si nous sommes stressés, si nous sommes angoissés, qui va vouloir de notre évangile? Ils vont dire, mais je n'ai pas envie de devenir comme lui. Hein. Mais si on voit quelqu'un dans la foi, dans la joie, mais quel est le secret? Nous sommes comme un lustre. À centaines d'ampoules
Et nous avons la responsabilité à chacun d'entre nous de briller. Amen. Notre réunion, elle dépend de la lumière de chaque personne, de chaque ampoule. Vous êtes d'accord? Imaginez un lustre à, je ne sais pas, à 500 ampoules. Et qu'il n'y en a que deux qui brillent. Ça ne va pas aller, hein? S'il y en a trois, s'il y en a quatre, s'il y en a 100, 200, 300. La lumière que ça crée. Et ça change l'atmosphère, ça change les données de nos réunions et de tout ce qui peut se faire. Amen. Nous devenons, et c'est ce que Dieu veut faire, que l'Église de Jésus-Christ, que nous soyons des solutions pour les gens. Amen. Responsable. Responsable, ça vient de respondere, qui veut dire être qui a la réponse. Nous avons la réponse. Amen. Ne soyons pas des problèmes, nous. Ne sois pas un sujet de souffrance pour les autres. Ne sois pas un poids pour les autres. Ne sois pas pour... Mais sois une solution. Sois une source de bénédiction. Sois un instrument de grâce, de bénédiction. Alors, si on est en phase avec le Seigneur, et ça, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui nous travaille et qui nous change, Dieu va attirer les âmes. Amen. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Le dimanche, juste avant de venir, il y avait une musulmane, la vingtaine, qui cherchait Dieu, qui lisait le Coran. Et les pensées sur Jésus, mais il y a quelque chose qui disait, mais Jésus est Dieu. C'est bizarre avec ce que je lis, lisez le Coran. Et une voix lui dit, va à l'église. Le même dimanche, va à l'église. Alors je ne sais pas comment elle nous a trouvés, elle est venue, elle était devant. Elle essayait de suivre les cantiques, elle ne connaissait rien. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire, si le Père ne l'attire. Mais il va faire en fonction de la lumière qu'il y a, de la solution qu'il y a. Amen. Hein? C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais voulons-nous nous consacrer? Oh, je pense à cette sœur qui a cherché Dieu dans plein de groupes religieux, dans plein de sectes. Et puis elle cherchait Dieu. Quand même, Dieu voit quand quelqu'un cherche. Et elle a eu un rêve, mais c'était un songe. Elle s'est dit, il faut que j'aille à une église, mais où aller? Il y en a beaucoup, hein? Elle s'est dit, elle se posait la question, et une nuit, elle dort, et puis, dans son rêve, elle marche dans une rue, elle arrive à un carrefour, et puis là, elle voit un édifice religieux. Ah, ça doit être ici qu'il faut que j'aille. Et dans son rêve, il y a quelqu'un qui touche son épaule, et il y a quelqu'un qui lui dit, juste en face. Et là-bas, elle voit un Porsche. Et puis le rêve s'arrête. Elle arrive sur la ville de Toulouse. Puis elle va à ses activités. Puis elle marche. Et puis à un moment donné, elle regarde, elle est à un carrefour. Elle se dit, mais je connais ce carrefour. Je l'ai déjà vu. Donc, elle regarde, c'est le carrefour qu'elle avait vu dans le rêve. Elle regarde comme ça, et elle voit l'édifice religieux. Elle se souvient que quelqu'un lui avait tapé comme ça, et avait montré. Donc, elle tourne son regard, elle voit un Porsche. Elle rentre, c'était l'église. Amen. Elle est venue, elle a trouvé Jésus. Et sa vie a été restaurée. Le Seigneur est encore à l'œuvre dans sa vie. Le Seigneur s'est révélé à lui. Mais je me dis, notre Église, elle est cachée.
On a un bâtiment devant, il y a un porche, il faut être motivé pour passer dedans, parce qu'on pourrait dire, mais c'est un piège ou quoi, hein? Il y a une trappe ou quoi, hein? Des fois, c'est même un petit peu mal éclairé, on aimerait améliorer ça. Bref, il faut être motivé pour pouvoir y rentrer. Mais le Seigneur attire les âmes. Amen. Je bénis Dieu pour cela. Et cette sœur, un jour, me dit, « Ah, ma sœur, je suis vraiment troublée, je suis vraiment dans l'inquiétude, parce qu'en rangeant les affaires, j'ai trouvé le journal intime de ma fille, et j'ai trouvé ceci, qu'elle programme de se suicider quand elle aura 14 ans. » De par leur parcours, leur père les avait abandonnés, enfin des choses difficiles, et la vie n'avait pas de sens pour cette petite. Dit, elle a mis ça dans le journal intime, qu'est-ce que je dois faire? Elle était en panique. Je dis, mais ce que nous pouvons faire, ben, il faut prier le Seigneur. Et je voyais au jeûne et prière, encore elle était là. Et alors qu'on priait pour les familles, etc., et je lève les yeux, et je vois la petite qui est juste à côté. Elle allait avoir 14 ans. Et la mère était en panique. Alors, je me suis approché de cette jeune fille et je lui ai dit, « Tu veux donner ton cœur à Jésus ?» Et chose extraordinaire, elle a dit oui. Amen. Elle a accepté le Seigneur Jésus, le prince de la vie est entré dans sa vie. Et bien sûr, toutes ces idées noires et ces puissances des ténèbres qui travaillaient sa vie ont été chassées. Elle a maintenant 18 ans, au moins, hein, parce qu'elle est étudiante. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur attire les âmes dans sa maison. Par toutes sortes de moyens, et je crois véritablement que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen.